et à Bollard, Marine Marc. Faut pas oublier ce match à Monaco, fin de semaine dernière, pardon. Ce match à Zico qui vont gagner, même si elle a réussite.
Et là, aller gagner ce derby-là avec la gestion d'effectifs, faut vraiment féliciter quand même le travail de Genesio, parce que pas facile de passer après à Fonseca. Et au départ, ça a été compliqué, mais là, j'ai l'impression qu'il a trouvé son rythme et l'effectif, avec pas mal de jeunes, est en train de bien marcher, donc bravo au staff. Ouais. On revient sur le match. À la 94e minute, il y a un fait de jeu qui fait totalement basculer la rencontre, c'est le pénalty. Est-ce que l'arbitre a pris la bonne décision, selon vous, Rio? Ben, moi, c'est histoire de... On revient sur le match. À la 94e minute, il y a un fait de jeu qui fait totalement basculer la rencontre, c'est le pénalty. Est-ce que l'arbitre a pris la bonne décision, selon vous, Rio? Ben, moi, c'est histoire de Bayo et ça, c'est... Bien pénalty, merci. Et il est clair. Voilà, la fin de match, malheureusement, a été émaillée de quelques incidents. La tension hein, est déjà bien montée après le deuxième but en toute fin de temps additionnel de Bayo et sa célébration. Occasion de bonne guerre, parfois. Un petit peu l'épouvantail de ce début de championnat, c'est forcément très satisfaisant. L'adversaire, bah on fait un cadeau encore, un cadeau de plus. Donc ça fait beaucoup de cadeaux avant Noël. Il va falloir s'arrêter parce que ça devient trop difficile. Au retour des vestiaires, en difficulté là. Prend l'arseneur à contre-pied. Léo Pétro a bien eu la balle du 3-3. La rétrofana, c'était la tête de Léo Pétro, la tête piquée. Désespoir, douché par l'entrant Bemba Dieng dans le temps additionnel, très bien aidé par le défenseur stéphanois Michael Nadé. La défense des Verts craque encore, tout comme l'entraîneur Olivier Dalloglio. Il manque d'attention, voilà, il y a encore beaucoup de naïveté dans ce qu'on fait, manque de malice. Ça va encourager tout le monde à continuer comme ça. Et remonte à la 14e place au classement. Le score. On a beaucoup de choses à améliorer. C'était un match pas assez abouti pour ce qu'on est capable de faire. Mais... gagné.
Il nous fallait prendre ces 3 points, il nous fallait nous resituer, avancer dans le classement. Rennes et nous. Eli Wahi était de retour à Montpellier, club où il a brillé et marqué 32 buts, vous vous en souvenez. Et il est... Rennes est 9e et Le Havre poursuit sa série noire avec 6 défaites d'affilée. Et Didier Digard n'était pas très, très content, évidemment. Allez, c'est l'heure du café crème. La semaine dernière, Eli Wahi était de retour à Montpellier, club où il a brillé et marqué 32 buts, vous vous en souvenez. Et il était extrêmement attendu, notamment par cette petite fille. Regardez, il prend la pause, elle est toute heureuse. Okay,
Bonjour Ada, comment tu vas? Camille, elle vit en ligne Zaza? Non, pas encore. Que je voulais, je vous avoue. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va réessayer. Ou alors, peut-être. Du coup, c'est possible. Hein. Possible, c'est une première ouverture, mais ça me paraît. Hop. Ok, attendez, je vais juste remettre ça là. Voilà. On va patienter un tout petit peu quand même. Hein. Kiki Haddad, vous avez trop de talent pour jouer à ce jeu. Désolée. Kiki Haddad. Oui, bah oui, bah j'attends quand même un petit peu, mais. C'est quand même. Ah ouais! Hey, ah, ouais. Sur le temps de Thomas. Ouais, c'est. Vous savez quoi? Non, c'est quoi le pire? C'est qu'on était au stand Asus et en fait ça puait le caca, ok? Ça puait vraiment le caca. Et lui, il commence à aller voir tous les gars d'Asus en disant que ça pue le caca et c'est moi qui ai pété. Arrête de mentir, c'est. J'ai même pas besoin de me justifier. Bah, chacun son plaisir en vrai dans les jeux vidéo, j'ai envie de dire. Si vous, vous aimez pas forcément vous battre, je peux comprendre. Moi, ça me dérange pas les bastons. Après, faut pas que ce soit un truc infaisable, quoi. Coucou Haddad, comment tu vas? Tu as fait les deux, Zay, je confirme. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai fait les deux. Et là, je sais qu'il y en a un troisième. Je crois qu'il y a un troisième qui sort, du coup, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a un troisième qui sort. Mais le troisième, je pense pas que je le ferai, du coup. Quelqu'un a une idée de. Putain! Sa grand-mère, j'ai réussi et je suis pas montée au truc. Ouais, il va y avoir un troisième, mais il y avait pas même un autre jeu là qui allait sortir ou je sais pas quoi là. Merci beaucoup pour les likes, c'est gentil. Merci Dounia, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, ça dérange pas la baston. Allez, go 1v1, gare de l'Est là, let's go. Non, j'ai bientôt terminé en vrai, je suis bientôt à la fin. Oh là là, on est vraiment très très proche d'y arriver. Je suis bloquée là, ici, là. C'est ce truc de merde, là.
Et là, il me manque un tout petit dash, entre guillemets, pour monter sur le truc. Allez, tu commences à prendre des mouvements en main. Oui, je suis pas très très loin, en vrai. Là, il me manque juste un tout petit truc et je suis dessus. Ça va, Adad? Tu racontes quoi de beau? Ouais, j'ai dash sur le mur. Il y en a de la paillette et tout. Les DP, ma cocotte, on me les a offerts. Comment ça va, Dan? On me les a offerts, mais les deux que Nathan et ma prime les avaient commandés sur Amazon. Mais en vrai, si tu les prends sur Shein... Ah, tu me les avais pris sur Amazon, comme les autres aussi, toi. Mais t'as vu, sur Shein, ils sont bien aussi, hein. Ils sont moins chers, je suis sûre que c'est les mêmes. Après, t'as les petits pieds, les acheter. En déco. Salut Adad, comment tu vas? Ouais. Ah, en rose comme ça, ça peut être plus sympa en vrai. Et pour voir si Snipe avait raison. Hop là. Donc si jamais il n'y a pas de hit, Snipe il doit faire une donation de 10 euros pour qu'on ouvre un booster supplémentaire. Voilà. Allez, hop, on continue. On y va. J'ai rien signé. Ah, mais si, si, hein. Salut Adad, comment tu vas? Content, hein. Ah, tu sais qu'ici, quand on fait des prédictions sur des hits ou sur des shiny, faut raquer derrière, hein. C'est la règle. Ils étaient contents que eux jouent et les autres ils jouent pas. Donc,